Un hôtel 5 étoiles ne serait rien sans un personnel de chambre performant. En effet, de 7h le matin jusqu'à 21h le soir, le personnel s'active, range, nettoie les chambres. Tout doit être impeccable afin d'assurer un service digne des plus luxueux hôtels. Se rendre dans un hôtel 5 étoiles, c'est exiger des prestations d'hébergement d'exception. Le rôle de la gouvernante est donc primordial. Camille occupe ce rôle dans cet hôtel dijonnais. Les coussins, on peut franchement les présenter d'une manière un peu plus esthétique. Parce que là, on a l'impression presque que le client d'avant vient de s'allonger sur le canapé. Donc, on va essayer de donner un côté un peu plus pimpant à ce canapé. Un peu plus apprêté, on va dire. Ça, normalement, c'est le rôle du valet ou c'est vous qui le... C'est plutôt gouvernante. Et là, on a un chevelu en primeur. Habituée des établissements haut de gamme, elle nous fait part des requêtes auxquelles elle doit répondre. Par exemple, ils veulent telle disposition de lit, c'est-à-dire un grand lit ou alors un lit à l'allemande, c'est-à-dire avec chacun sa petite couette mais sur un même grand lit, par exemple, pour illustrer un petit peu les demandes qu'on peut avoir. Ça peut être des accueils romantiques, donc surprise ou non surprise. Dans cet hôtel, le standing est primordial. Les clients sont attentifs et ne laissent rien passer. On a des plis particuliers pour donc le rouleau de service, donc la fameuse pointe hôtelière, et puis le rouleau de réserve, toujours avec ce pli vers l'intérieur. Ça, c'est un code de l'hôtellerie, la petite Oui, pointe comme ça. absolument. Pourquoi? Ça, on le retrouvera en fait dans tous les hôtels en France en tout cas. C'est en fait un code esthétique. Walid est valet de chambre. Il est conscient de l'importance de son travail. Il nettoie et prépare l'arrivée des clients avec minutie. Le tout est ensuite contrôlé par Camille. On continue l'inspection. Donc tout ce qui peut contenir quelque chose, on vérifie que ce soit vide. Voilà, parce qu'on peut retrouver des petits papiers dedans. Selon elle, ce qui fait le service haut de gamme de la cloche, c'est aussi la personnalisation. On a un client qui trouvait que nos nouveaux produits mini-bar n'étaient pas tellement à son goût. Il trouvait, je cite, qu'il y avait trop de choses sucrées, etc. Et il disait préférer la gamme d'avant avec des jus d'orange. Donc du coup, à chaque fois qu'il vient, on met un jus d'orange dans son mini-bar. Donc c'est une toute petite chose, mais on a remarqué que ça lui avait fait très plaisir. Avant, le luxe était associé à une atmosphère très guindée et codifiée. En fait, là, vous remarquerez que tout est tourné dans le même sens. D'ailleurs, j'avais choisi ce modèle de cuillère parce que le bas est biseauté et donc ça nous permet de faire un parallèle avec la serviette en papier. Voilà. Les choses semblent un peu évoluer selon Camille. Les attentes des clients ne sont plus les mêmes et l'hôtellerie de luxe doit s'adapter à ces changements. Veiller à ce que le client soit un peu comme chez lui, en fait. On veut en fait qu'il y ait un accueil standing, mais pas guindé, en fait. Que ce soit quelque chose où il se sente bien. Pour moi, c'est ça la version du luxe, c'est d'avoir ce dont on a besoin à disposition. Sans qu'il y ait un climat lourd et guindé. Pour tout ce qui a des interrupteurs ou des commandes d'allumage, il faut encore une fois faciliter les choses au client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, que ce soit présenté comme ça. Il faut que tout soit prêt à être utilisé. Voilà. La gouvernance des chambres est donc la pierre angulaire d'un hôtel de luxe. Un service de chambre performant et surtout un contrôle très appliqué sont tant de choses nécessaires pour assurer des prestations dignes des plus grands crus de Bourgogne.